Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est dingue, j'ai l'impression que le son est très fort. Alors que non, pas spécialement. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo qui sera la première que l'on jouera sur la version 1.21. Alors vous pouvez le voir tout de suite, je l'ai mis en version modée pour pouvoir récupérer les shaders dont on a l'habitude. Et je l'ai déjà lancé, hein, donc on a déjà eu les modifications apportées. Cette 1.21 Tricky Trails, qui reprend hein, donc toutes les snapshots qu'on a pu étudier dans les différentes vidéos jusqu'à présent. Je n'ai pas fait le décompte, mais à mon avis, avec une à deux vidéos par semaine depuis quelques mois, on doit avoir, à mon avis, plus d'une vingtaine de vidéos qui vous ont présenté les grandes nouveautés de cette version et qui vous ont présenté, ah là là, ça fait du bruit ici, qui vous ont présenté par la même occasion, eh bien, l'arrivée de tous ces nouveaux mobs. On avait fait le tour, aussi bien des loups. Ah tiens, je me demandais où était parti. Non, c'est pas le chameau que je cherchais mon petit accompagnateur, il est parti. Bon, je ne sais plus. Alors, je ne vais pas vous refaire toute la liste des nouveautés. Il y a une vidéo de Hypierre que je vous mettrai dans le descriptif de cette vidéo qui fait tout à fait le taf et c'est excellent. Et lui, il a 1,5 million d'abonnés, donc il y a déjà plus de 1500 vues au moment où je fais cette vidéo. Donc j'ai regardé un petit peu et effectivement, c'est parfait, il y a une très belle présentation. Pour moi, en fait, ce passage à la 1.21, ça va être une nouvelle aventure. Non pas que je vais changer de monde, hein, je pense que je vais rester sur la même. Mais l'idée, c'est de dire, on va profiter de cette 1.21, ce passage à la 1.21, pour changer de lieu, pour quitter ce monde dans lequel, ce secteur, on va dire, du monde dans lequel j'étais. Et je vais partir. Hop, je vais prendre ça au cas où, on sait jamais, ça peut toujours servir. Je vais partir avec cet équipement-là. C'est déjà pas mal, hein. Et je vais traverser le Nether pour aller m'installer ailleurs, m'installer un petit peu plus loin et vivre les prochaines aventures avec, je l'espère. Alors j'exagère, j'espère très rapidement des nouvelles snapshots. Oui, oui, je l'espère. Allez, on va prendre ça aussi, ça pourrait toujours servir. J'espère qu'il y aura au plus vite des nouvelles snapshots, mais après, je ne sais pas. Donc là, le but du jeu, c'est de repartir vers un nouveau village, assez éloigné de celui-ci. De pouvoir quand même toujours y revenir. Allez, ça y est, le loup, il est déjà parti. On y va. Hop. Et on va aller revivre de nouvelles aventures. Ah, t'étais là. Ah, vous êtes tous les deux là. Ah, voilà, je vous cherchais, tous les deux. Eh je suis content, je vous ai récupéré tous les deux. Voilà, donc on va quitter cette zone, ce secteur, et on va aller plus loin pour voir ce qu'on peut y vivre. Alors ici, j'avais déjà commencé à descendre un petit peu, mais c'était pour aller creuser et trouver de la netherite. Ouais, mais le loup il est déjà mal. Mais non, pourtant le loup il est pas mal. Alors, non, il est en pleine forme. J'ai eu un gros bug, hein, vous l'avez, je vous l'avais expliqué. Et potentiellement depuis ce moment là, j'ai des loups qui se plaignent. Vous l'entendez peut-être. Alors qu'ils sont en pleine forme. Donc ça va être compliqué à gérer. Et donc là, le but du jeu, ça va être de repartir d'ici.
Donc ça, je crois que c'est la zone 13 ou 14. Et c'est là où j'avais creusé, creusé, creusé pour trouver du nouveau. Alors, on va s'éloigner de tout ça. Et on va essayer de trouver un nouveau monde dans lequel s'installer. Je vous passe les détails et on va partir un petit peu en accéléré. Non, pas ici. Bon, bah ça va être assez rapide. Ça sera pas ici. Hop là. Allez, on va partir par là. Go. Comment est-ce que je peux l'aider? Ouf, c'est bon. Voilà, c'est ici qu'on va essayer de reprendre la direction d'un nouvel emplacement, d'une nouvelle vie. Et je ne sais pas du tout où on va atterrir. Non! Oh mais non! Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Arriver dans une trial chamber, mais c'est quoi ce bazar? Ah, c'est pas cool. Alors là, sérieusement, ah, je m'attendais pas à ça du tout. C'est quoi? Elles sont empoisonnées celles-là? Ah non, mais je veux pas. Je veux pas. Pitié, 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 pitié. Je ne sais pas où je suis. Mais sérieusement, j'ai pas envie de me faire baffer dans cette nouvelle vie. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà visité? J'ai pas l'impression. Ouais, bien sûr. Hop, on referme. Complètement. Et on essaye de sortir par le haut. Voilà, ici il n'y a rien. Je sais pas du tout où je suis, ni comment je vais faire. Je pense que je vais remonter avec cette méthode que l'on peut considérer comme un petit peu dangereuse. Que parfois certaines choses peuvent nous tomber sur la tronche et c'est pas prévu ainsi. Là, on est toujours au niveau de la trial chamber, on le voit ici. Et ça devrait s'arrêter par là. C'est bien ça. Bon, ça se refuse pas. Et ça permet. Tiens, on va prendre ça par exemple pour poursuivre. Allez. J'allais dire, ça permet de réparer un petit peu la pioche. Mais c'est pas gagné.
Bon, j'ai perdu mon Halley, j'ai perdu mon loup. Je ne sais pas où je suis. Si, sur une petite île perdue. Bon, petite, pas sûr. Sur une île. Et donc le but du jeu maintenant, ça va être de refaire ma vie dans ce secteur en essayant, hop là, de survivre pour l'instant à cette première nuit, ce qui va pouvoir se faire assez facilement en allant me cacher certainement quelque part. Puis très rapidement de trouver un nouveau village et de procéder comme d'habitude à l'évolution, enfin participer à son évolution de manière à pouvoir attendre les prochaines snapshots, les prochaines nouveautés et de vous les présenter en direct dans cette partie. Tant que je ne suis pas mort. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura de nouvelles snapshots, mais je vous ferai certainement une nouvelle vidéo dès que je trouverai un village. Oh non, mais... Voilà, comme je vous dis, je repars de zéro. Bon. D'un zéro avec un bel équipement quand même, hein, on va pas se mentir, c'est plutôt pas mal pour repartir. Mais c'est un tout nouvel espace, je ne connais pas, et je le rappelle, je n'utiliserai pas les fonctionnalités du F3 pour avoir mes coordonnées, je n'utiliserai pas d'astuces de ce genre, je ne passerai toujours pas en créatif. Bref, je vais... repartir en mode survie, toujours en mode hardcore, et tenter de d'améliorer encore et encore. Oh, mais il y en a beaucoup là. Ma durée de vie, je remarque en vous en parlant que je n'ai plus les jours qui s'affichent. Il va falloir que j'aille modifier ça. Parce que c'est vraiment... Ah, mais barre-toi, toi. Le seul mode, la seule fonctionnalité que je mets, c'est de pouvoir... savoir, ou on va dire comptabiliser, le nombre de jours passés. Et ça s'affiche normalement en bas. Donc là, je ne... Je vous... quitte sur ce lever de soleil dans cette nouvelle zone en gardant à l'esprit qu'on a un petit point là-bas qui est le point, on va dire le nouveau point de spawn, et que je vais je pense continuer à explorer toute cette zone pour trouver un village, m'y installer et pouvoir revenir ici pour retrouver mon loup, mon Halley, la Trial Chamber éventuellement pour aller la visiter, mais de manière plus cool, on va dire. Tout ça, ça sera donc dans de prochaines aventures. Donc je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéo et être tenu informé de la parution de celle-ci. Voilà, donc c'est une toute nouvelle aventure qui se lance avec cette arrivée de la 1.21. Et vivement, vivement qu'on ait des nouvelles snapshots avec des nouvelles fonctionnalités. J'ai pas encore commencé à creuser et à regarder s'il y avait déjà
des prévisions pour une 1.22, ce qu'elle pourrait être, ce sur quoi ça pourrait porter. Ça sera pour plus tard. Là, je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir et jouer avec toutes les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux mobs. Je vous dis donc à très très bientôt pour la suite de cette aventure. Et ben voilà, on termine sur la découverte d'un village qui sera donc mon nouveau village. Très bien. Et ben je trouve ça pas mal avec une forêt de sapins ici. Je vais pouvoir certainement trouver des loups. Me refaire une meute de loups. Ici, il y a du villageois. Des chats. Bon, super. Ah, par contre, il y a des idiots du village. Il y en a déjà deux. C'est pas grave. On va pouvoir s'installer tranquillement ici. Et faire grandir ce village. Un peu de la même façon que j'ai fait grandir le précédent village. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt. Pour la suite de tout ça et les prochaines snapshots. Salut !